Arrivés en Australie lundi 15 octobre, Meghan Markle et le prince Harry ont été accueillis en grande pompe. Et la duchesse de Sussex a reçu un bouquet de fleurs plutôt extravagant qui a fait réagir son époux. Les cadeaux pleuvent pour le duc et la duchesse de Sussex. Arrivé en Australie pour une tournée du Pacifique de plusieurs jours lundi 15 octobre, Meghan Markle et le prince Harry ont été accueillis par de nombreux admirateurs. Et lors d'une visite au zoo de Taronga à Sydney, la duchesse de Sussex a reçu de la part d'un fan un immense bouquet de fleurs, qui n'a pas manqué de faire réagir le prince Harry. En effet, le fils du prince Charles s'est laissé aller à une petite blague, comme le rapporte le tabloïd The Mirror. Tu ne peux pas donner de fleurs aussi grosses à ma femme, a-t-il lancé à celui qui a offert ce gros bouquet à la duchesse de Sussex. Une remarque qui a beaucoup fait rire le principal intéressé, ainsi que la foule présente. Et ce n'est pas la seule réflexion de ce genre que le duc de Sussex fait aux admirateurs de la monarchie. Lors d'une autre visite, deux petites filles ont offert des bouquets de fleurs à Meghan Markle. Oh, vous lui donnez les deux, s'est exclamé le prince Harry, visiblement déçu de ne pas en recevoir au moins un. Ce sont nos premiers cadeaux de bébé. Et il faut dire qu'entre Meghan Markle et le futur bébé du couple à naître, le prince Harry est quelque peu lésé sur les cadeaux. Reçu par le gouverneur général, Peter Cosgrove et sa femme, Lady Lynn Cosgrove, le couple royal ont eu le droit à leur premier cadeau pour bébé. Dont une immense peluche de kangourou et une petite paire d'Uggs. Ils sont géniaux. S'est enthousiasmé le prince Harry, qui n'a pas pu s'empêcher de caresser la peluche kangourou de son futur fils ou de sa future fille. Meghan Markle a eu l'air ravie et a affiché un immense sourire quand le gouverneur lui a présenté ses cadeaux, c'est trop mignon et ce sont nos premiers cadeaux de bébé.